Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Permettez que j'adresse mes sympathies les plus profondes et sincères aux personnes, familles affectées par le séisme dévastateur du 14 août 2021. Qu'elles aient la force nécessaire et retrouvent le courage de se relever. Après l'hécatombe du 12 janvier 2010, Haïti se retrouve une fois de plus dans le collimateur de l'épouvante et du fracas. La péninsule sud, qui semblait être le chemin privilégié des cyclones et ouragans, en subissant leurs affres tous les ans, à des degrés divers, doit maintenant composer avec une autre catastrophe qui a surpris tout le monde, jusqu'aux spécialistes les mieux avertis. Après 11 ans, 7 mois et 2 jours, ce 14 août 2021, de bon matin, Haïti a sonné le tocsin, le sud, la grandance, les NIP, frappé par un séisme violent, offre le spectacle hideux des décombres sanguinolents, de restes humains, des dégâts considérables au niveau des infrastructures privées, publiques et de divers pans de versants caractérisés par des glissements de terrain, laissant les aménagistes avertis. En effet, ce séisme de magnitude 7.2 a occasionné, après son passage, des estropiés de tout genre, physiques, économiques, psychologiques, alors que les conditions de vie étaient déjà assez difficiles. En faisant 2207 morts, 344 disparus, 12260 blessés, il a laissé dans le chagrin et la douleur des familles entières, mais a également détruit 52923 maisons endommagées. Endommagé 77 066 et causé des dommages innombrables aux infrastructures routières, électriques, hydrauliques et agricoles. Nous attendons encore de nouvelles données pour statuer de manière exhaustive sur l'ampleur des pertes et dégâts enregistrés. Nous soulignons au passage la destruction et des dommages de dizaines de bâtiments scolaires, tant publics que privés. Alors que la réouverture des classes devrait se faire dans une quinzaine de jours. Avec plus de 2000 morts en son sein, une bonne partie du Grand Sud rompue aux vicissitudes d'une vie soumise aux aléas et aux risques est debout pour conjurer le sort de se mettre à reconstruire. Dans ce contexte difficile, tous les secteurs d'activité ont reçu un coup de stock. Mesdames, Messieurs, l'ampleur de la catastrophe pose alors la problématique de la gestion intégrée du risque et de désastre naturel comme l'un des plus importants et complexes défis que le gouvernement doit affronter. Cette catastrophe, à plus d'un titre, constitue un obstacle majeur aux mêmes efforts de redressement économique à propulser. Dans cet ordre d'idées, le Premier ministre, en vue de sceller l'harmonisation des actions et les interventions des acteurs sur le terrain, a privilégié une gestion de proximité de la catastrophe en instituant une coordination interministérielle appelée à soutenir les mécanismes multisectoriels existants déjà au niveau des départements affectés. Le MPCE, de par ses missions et attributions de coordonner les activités des organisations non gouvernementales, a mis en place un tableau de bord de suivi des interventions des ONG dans le cadre de cette catastrophe. Cet instrument est alimenté par un mapping précis établi afin de répertorier les zones d'intervention de ces organisations, le type d'assistance fournie,
la date de début de leurs interventions ainsi que les coordonnées des responsables afin de les orienter le cas échéant vers des endroits d'où des demandes spécifiques peuvent provenir. Cette phase humanitaire et d'urgence est importante car elle aide les populations à se tenir debout, mais parallèlement, elle doit cheminer vers le relèvement plein et entier, le développement des zones dévastées. Face à tout cela, il est impératif de réagir vite, mais avec sérénité et rationalité, car les malheurs s'accumulent et marchent à leur rythme. Nous aussi devons tirer les leçons du passé afin de comprendre que l'empilement des documents n'est nullement synonyme d'efficacité. Nous en avons produit plusieurs au cours de ces trois décennies, sans que les résultats soient au rendez-vous, car les lacunes de tout genre sont immenses. Mais nous devons relever la tête, nous remettre debout et avancer pour cela. Le post-disaster need assessment, PDNA, que nous allons élaborer, c'est que le plan de reconstruction doit être simple, clair, précis, efficace et exploitable rapidement. Le PDNA doit être également l'émanation des territoires touchés par le séisme. Il doit être fait avec eux et pour eux, car la reconstruction se passera chez eux. D'où leur implication dès les premiers instants pour que la population soit sincère et complète. Le ministère de la Planification de la Coopération externe, qui coordonne ce travail, appuyé par des cadres compétents des autres secteurs ainsi que les structures techniques, des partenaires techniques et financiers, sont tous des gens rompus à ce genre d'exercice. Le défi est immense, le temps n'est nullement notre allié dans cette circonstance, mais la simplicité réclamée dans la construction des documents ne doit pas se confondre avec la facilité. De même, la sérénité souhaitée ne doit pas être prise pour de la passie. Au contraire, ce sera le signe d'une maîtrise parfaite de la question ainsi que des solutions qui seront proposées aux populations de la péninsule sud. Avec mes collègues ministres et sous la direction du Premier ministre, nous sommes convaincus que cette fois-ci, la coordination de ce processus devra mener à une réelle reconstruction physique et économique de cette partie de notre pays. On peut juste souligner notre appui et engagement total dans cette phase de reconstruction. Le 21 août, 7 jours après le séisme, le tripartite a envoyé une lettre pour confirmer leur appui pour ce genre d'évaluation qui s'appelle PDNA, acronyme en anglais, sous le leadership du gouvernement. Ça, c'est un point très important à souligner. Et aussi, en utilisant les leçons apprises de 2010, de Mathieu aussi, de COVID, et aussi en utilisant les mécanismes nationaux de manière qu'ils sont renforcés. Nous voyons cet exercice comme une opportunité non seulement pour la reconstruction physique qui est très importante, mais aussi une reconstruction sociale vers un développement durable et plus résilient et plus équitable pour les peuples haïtiens. Qui peut aussi, cet exercice, aider à générer plus de cohésion sociale dans la région affectée. Dépendant les secteurs priorisés, on est aussi très disposé pour contribuer avec les expertises des différentes agences, programmes et fonds pour contribuer à cet exercice. Et je voulais juste réitérer une fois encore que notre engagement serait sous le leadership du gouvernement et à travers les mécanismes existants dans le gouvernement pour le renforcer. C'est pour moi très important de confirmer notre disposition à vous appuyer. Nous vous remercions pour vos présentations, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, et pour avoir convié cette réunion. La banque s'alignera sur les propositions qui seront faites par nos partenaires, les Nations Unies et également l'Union Européenne et la Banque Interaméricaine de Développement. L'Union fait la force, je pense que
n'y a aucune institution qui pourra résoudre ce problème tout seul. Et bien sûr, sous le leadership de la primature, comme l'a dit Madame Morin. Je voudrais juste éclairer cette réunion en vous donnant les premiers résultats de notre évaluation de l'impact que l'on a effectué au cours des dix derniers jours à travers la méthodologie GRADE qui s'appuie sur évaluation uniquement télésatellitaire et qui, comme l'a dit Monsieur le Directeur Général, doit absolument être complétée par des évaluations de terrain. Les résultats déjà disponibles, et on est en train de finaliser le rapport, mais ils vous donnent les dommages à environ 1,12 milliard de dollars. Deux tiers de ces pertes et dommages physiques sont dans le secteur privé, un tiers pour le secteur public. Une grande partie de ces 1,12 milliard de dollars concerne les logements, housing, 730 millions de dollars. Des bâtiments résidentiels tels que les écoles, hôpitaux, bâtiments publics, 162 millions de dollars. Et les infrastructures, routes, ponts, 219 millions de dollars qui ont été particulièrement touchés dans certaines zones et qui rendent l'acheminement des équipements, du matériel et de l'aide d'urgence assez délicat. Les pertes économiques sont en général, donc on n'est pas rentré dans l'évaluation des pertes économiques, ce sera l'objet du DALA, PDNA, mais dans ce type de désastre, les pertes économiques sont en général d'environ 30 à 40% de l'estimation des dommages physiques. Donc on estime à prendre avec toutes les précautions d'usage et à confirmer par les évaluations de terrain, on estime à 1,5 milliard de dollars l'impact de cette terrible tragédie dans le sud. Soit 10% de notre PIB, c'est quand même très important. Le rapport est en cours de finalisation, comme je disais, et on espère vous le transmettre en anglais d'abord, on le fera traduire après, mais on vous le transmettra tout de suite en anglais avant la fin de cette semaine. Voilà, et ça a été fait par toute une équipe à Washington qui travaille sur ce domaine. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que je souscris pleinement à ce que M. le ministre du Plan a dit. Nous voulons une méthodologie qui soit la plus efficace, efficiente, rapide et simple, adaptée au contexte. Et nous souhaiterions pouvoir... Donc nous allons mettre à votre disposition et à la disposition du système des Nations Unies nos experts. On essaye d'avoir un expert par secteur qui soit présent en Haïti. Plusieurs de nos collègues vont rentrer cette semaine. En fonction des secteurs dans lesquels vous voulez que l'on puisse intervenir, dans lesquels nous avons des projets, dans lesquels nous pouvons déployer des financements, je pense au transport, je pense au secteur de l'eau, de l'éducation, de la santé, nous pourrions intervenir. Nous, notre objectif, et je dois en discuter avec le ministre des Finances cet après-midi, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir commencer à décaisser sur les aspects de reconstruction à la fin du mois d'octobre, dans 8 à 10 semaines, et nous souhaiterions d'avoir une approche pragmatique pour que les évaluations n'excèdent pas cette période. On a fait un premier exercice, et je terminerai là-dessus. Nous avons fait un premier exercice d'évaluation des financements qui pourraient être immédiatement disponibles. Donc nous avons des contrats en cours dans le secteur des transports, nous avons des contrats en cours dans le secteur de l'eau. On pourrait mobiliser sur les contrats en cours, ce qui veut dire pas de repassation de marché, quelques 20 millions de dollars qui sont immédiatement disponibles. Et on pourrait, à travers CERC, c'est-à-dire la réallocation de ressources vers nos composantes d'urgence, remobiliser quelques 80 millions de dollars. Bien sûr, quand on utilise des financements d'un projet en cours vers le CERC, ça suppose que ces projets seront remboursés à terme, soit par des financements d'ordre
CRW ou des financements sur des AIDA qui arrivent. Donc ça sera, c'est de l'argent supplémentaire qu'on mettra à disposition et ce sont ces financements particuliers qui seront disponibles, on espère, dès la fin du mois d'octobre, début janvier. Enfin, sur les questions d'appui budgétaire, c'est extrêmement difficile dans les circonstances actuelles. Vous savez qu'on vient de clore le DPO Covid et que l'on a remboursé les 20 millions à AIDA. Donc ces 20 millions redeviennent disponibles pour vous aider dans cette réponse. Ça ne nous empêche pas de travailler sur des lettres de politique, etc. Mais dans les circonstances actuelles, faire des politiques et des prior actions, c'est extrêmement difficile, monsieur le Premier ministre. Par contre, nous sommes absolument encouragés par les ressources que vous avez reçues du CRIF de 40 millions de dollars, qui sont 4 fois supérieurs à ce que vous aviez reçu en 2010. Et ça, grâce à une bonne gestion de la part du ministère des Finances et du Trésor des différentes primes et instruments qui étaient prévus par le CRIF. 15 millions ont été décaissés à la fin de la semaine dernière. Les 25 millions qui restent seront décaissés avant le 31 août. Et pour nous, ça, c'est de l'appui budgétaire direct. Donc ça devrait vous donner un peu d'oxygène pour le paiement de vos salaires, pour le paiement des interventions d'urgence, etc. Que nous savons sont extrêmement importantes à vos yeux et du fait de l'espace fiscal budgétaire de notre pays sont assez préoccupants. Donc je vous garantis que même sur ces questions, nous sommes prêts à débattre. Rien n'est impossible, mais il faut aussi reconnaître rien n'est impossible avec le temps. Mais je crois que dans les 2 prochains mois, il faut reconnaître que ce sera extrêmement difficile. Ce matin, nous nous réunissons dans un contexte particulier, où la région du Sud a été frappée par le tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter, qui a causé des pertes humaines importantes et des dégâts considérables. Après 10 jours de cet événement dévastateur, la situation reste préoccupante dans les zones affectées et nous en sommes conscients. Aujourd'hui, le gouvernement a la lourde responsabilité de relever le défi de la reconstruction de la péninsule du Sud. Pour ce faire, nos cadres, accompagnés du secteur privé, de la société civile et des partenaires internationaux, évaluent les effets et les impacts sur la société. Cette connaissance de la réalité post-séisme et des perspectives de reconstruction se matérialise dans le cadre des résultats de l'évaluation des dommages, pertes et besoins post-séisme. À titre de rappel, mon gouvernement s'est attelé dès les premières heures à organiser la réponse et activer le système de secours et de sauvetage. Malgré les limites de la chaîne de secours et de réponse, notamment en termes logistiques, d'équipement et de matériel, nous avons activé avec efficacité le dispositif. Mon gouvernement a la ferme volonté d'orienter la reconstruction sur la voie du développement durable. De ce fait, j'encourage tous les acteurs à travailler avec rigueur afin de donner le gouvernement et ses partenaires d'outils adéquats pour mieux cadrer leurs interventions au profit du pays et particulièrement de la population durement éprouvée de la péninsule du Sud. J'attends à avoir la version préliminaire du PDNA dans les 5 à 6 semaines à venir. Aussi, j'en appelle au sens de responsabilité et de professionnalisme des cadres désignés à faire partie du comité de pilotage technique du PDNA. Mesdames, Messieurs, j'exhorte les acteurs impliqués dans le processus à privilégier une approche inclusive et participative par les territoires. Les acteurs de la région du Sud
doivent prendre part à la réflexion devant amener à reconstruire leur territoire dévasté par le séisme du 14 août 2021. Il est important de signaler à l'attention de tout un chacun que les autorités et les administrations communales sont indispensables à la réussite de la mise en œuvre des programmes de l'aménagement et du développement des territoires. Mon gouvernement apprécie la qualité du soutien offert par les membres du partenariat tripartite, engageant les Nations Unies, l'Union européenne et la Banque mondiale. Il estime à sa juste valeur la disponibilité de la Banque interaméricaine de développement d'être en première ligne aux côtés des autres acteurs nationaux et internationaux dans la planification de la reconstruction post-séisme. Mesdames, Messieurs, je veux rappeler au comité de pilotage technique que la région du Sud a besoin de l'amélioration rapide des services de base et la réhabilitation de ses infrastructures. J'en veux pour preuve le pont estimé. De ce fait, le PDNA élaborera un plan de reconstruction pour éviter d'autres catastrophes humanitaires. En vous remerciant de votre attention, je veux insister pour chaque acteur de garder à l'esprit les objectifs que nous sommes fixés. Un délai de 6 semaines pour finaliser l'ensemble du processus et commencer à apporter des réponses durables aux victimes de cette catastrophe. Dimanche 22 août, commandant-chef PNH-là, M. Léon Scholl, avec directeur central police administrative, IG Monès Auguste, directrice logistique PNH-là, qui c'est CP Ghislaine Désiré, et une délégation ambassade américaine, qui fait un survol de Grand Sud PIA. Côté Yotal Gadi, qui dégâts qui t'est causé. Survol a été arrivé fait avec appui hélico ambassade américaine. Zone délégation ça a été arrivé survolée. C'est pour être capable de faire une idée exacte des dégâts qui causaient dans plusieurs zones qui reculaient. Il y a 8 communes et sections communales qui ont été arrivées survolées à très basse altitude. Dans le sud, NIP avec Gredas. Il y a quelques zones qui devaient retenir attention commandant en chef là. Tant que l'asile, Maniche, Arniquet, Capéré, Lécaille, Chambellan et la Tibolière. Zone ça yo, yo touché en pile, mais non yo pas cité trop par rapport à disposition yo ou bien j'ai reculé, pas de trop monde qui fréquentait zone ça yo. Tant que la Tibolière, c'est une petite localité. Et dans cette localité, ça, l'État n'est pas présent. C'est l'Église avec la population qui est arrivé à construire tout ça qui est dans la zone. Tant que l'école, dispensaire, magasin, l'école couture, tout ça, les gens qui ont gagné, tout tombé plat à terre. Et il faut qu'ils recommencent pour être capables de rebâtir la bâtisse. Alors, la zone, ça, commandant-chef là, prêtez attention, soutenez à toute zone ça, nous sommes cité là. Pour ça qui a un rapport avec sécurité, commandant PNH là, M. Léon Scholl, décide de renforcer la sécurité dans le grand sud pays là, encore plus. Il y a plusieurs unités qui dépêchent sur toute route là, en Deville. Présence policière, non seulement ils peuvent aider à sécuriser le convoi, yo, et yo a porté assistance à sinistré yo. Yo a assisté acteurs nationaux et internationaux qui viennent supporter population Grand Sud là. N'a fait songer dans dernier point de presse noté bay ici là dans quelques jours qui sont passés là dans semaine là. C'est quelle disposition qui te prend pour quel que soit monde qui prend les rendre dans Grand Sud ouais avec police nationale et Koun qui se sort d'opération d'urgence nationale. Pour être capable de permettre de joindre la sécurité pour qu'on voie. Malheureusement, malgré nous te parler, il y a des gens qui sont arrivés pour prendre route pour contre vous. Il n'y a pas de gens qui t'a accompagné parce que vous n'avez pas demandé, côté nous te dit pour aller demander les gens qui pour accompagner vous.
Malheureusement, le monde s'est arrivé victime sur route là. Il n'a pas tiré attention tout le monde. Fait ça, nous demandons nous pour nous faire, pour nous capables d'arriver à destination avec convoi, nous pour aller dans le Grand Sud là. Dans l'idée ça, il y a un comité qui est composé de 5 personnes. Rivez mettre sous pied et bureau yo placé dans la direction générale. Majorité là-dedans, c'est policiers. Yo a bien pour faire coordination, pour capable sécuriser tout convoi qui pourrait aller dans le Grand Sud. La fait coordination pour acheminer dans le Grand Sud là, sous plan sécuritaire, tout convoi yo, quitte ça qui a sorti au niveau international, et ça qui a sorti au niveau national, parce que il y a des gens qui sont souterrains, qui ont écouté, mais tout. L'équipe ça tout, li gagne pour faire coordination pour tous les policiers qui sont victimes dans le Grand Sud là, ensemble avec la famille, pour capable faire aide, arriver à joindre. Aide ça, que les gens ont apporté dans le Grand Sud là, sous une forme ou bien une autre, nous demandons pour contacter la police dans 122. N'a fait songer numéro ça, c'était numéro contact pour tout cas kidnapping yon moun ou bien yon famille ta victime. Numéro ça li toujours pour tout zak kidnapping nous ta constaté. N'a utilisé le tout pour nous capables rentrer en contact avec équipe ça. Avec yon moun qui placé dans CRO pour prendre information que moun ça va bay équipe là et y a pas cheminer information à équipe là. Nous capable dire qui est là capable faire partie de convoi qui prend dans le Grand Sud. N'a fait connaître que numéro 122 ça capable de recevoir 14 appels en même temps. Li pas occupé sous relais ou ka font titan nous ka jeune l'eau qui prend pendant titan mais ou ka font titan nous relais encore ou a jeune monde qui pour répondre nous. Que déjà escorte là rivé mener 14 convois dans le Grand Sud et chaque convoi ça y a 11 véhicules pour pipiti à boyo. Tout véhicule ça y arrivé à destination. PNH l'a encouragé tout le monde à contacter l'équipe ça pour les capables d'aider au faire suivi pour sécuriser le convoi. Et n'a pas tiré attention tout le monde. Camion, ouvrez, transporter, ça ouvrez. Voyez dans le Grand Sud là, assurez-vous, c'est un camion qui est en bon état. Pour ne pas bailler le convoi à problème. Parce que si vous prenez pas de camion, vous remplissez avec aide. Li rive nan route, li bay problèm, res konvoi li menm ka l'oblije ap kanpe tann. Pou evite sa, nou mande tout moun, kamyon, ou vle pote konvoi, asyre ou, se yon kamyon ki an bon etat. Kou li a, nan prezante nou komite sa ki chaje pou koordone sou plan sekuriter, aide ki destine a Grand Sud la, e nou ap rappele numero ankon, se 122. E moun sa yo, non selman yo la, pou kapab ba, faire coordination sous plan sécuritaire et yo là yo même tout pour faire suivi pour toute famille policier et policier qui victime dans Grand Sud là. Nous gagnons inspecteur général Joseph Smith Peyo. C'est lui même qui est responsable équipe là. Nous gagnons commissaire divisionnaire Jeannette Bateau. Nous gagnons commissaire divisionnaire Jacques Joël Orival. Nous gagnons commissaire principal Pierre-Louis Cangé, excusez-moi, divisionnaire, et monsieur Yves Stark, qui est employé civil dans le PNH. Là. C'est tout ça, nous avons gagné pour nous partager avec nous. Côté, nous avons attiré attention à la population, équipe ça, qui est là pour faire suivi pour vous, pour ne pas négliger, contacter la police dans 122 pour être capable d'aider, joindre, aide pour sécuriser le convoi pour aller dans le Grand Sud. Ok, moi c'est Spandra Zendo, c'est avion para as pessoas do sul. Bom, o Corpo de Bombeiros do Brasil está trazendo junto com 32 militares, 32 bombeiros, a força de trabalho especializada. E pompier brasileiro, 32 mundo que vêm para porter material para o trabalho, não? No sul. Estamos trazendo também material de saúde, medicamentos e equipamentos para fazer os trabalhos referentes a nossas atividades aqui. Eu vou ter material, medicamento, mas é uma equipe especializada que eu vou ter material,
médicaments avec notre instrument pour aider les gens. Ils sont très contents si vous êtes ici pour faire ces pesquisas. À buscas. Sim, sim. É, nós temos militares, bombeiros especializados em busca de pessoas e de corpos. Por isso nós também trazemos dois cães. Mas além disso, nós trazemos a disponibilidade para ajudar em tudo que for possível o povo haitiano. Lidzi, eu vim com pompiers especializados para ajudar na recherche. Você está fazendo vim com dois chiens para ajudar. E tudo uma questão de tout ça, vous allez chercher monde qui est en difficulté, genre de bail. Vous êtes ici pour combien de temps? Nous ficaremos ici, la prévision est de 3 semaines. Yo là, yo qui prévision pour faire 3 semaines. Il est disant, si vous avez un message spécial pour les personnes au sud, durant ce moment que vous êtes trazendo cette aide humanitaire. Nous viemos ici pour Haïti. Com um espírito de solidariedade muito grande, tendo em vista especialmente porque o povo haitiano formou um vínculo de amizade com a nossa nação, o povo brasileiro, tendo em vista os muitos anos que nós passamos aqui em contato. Então nós herdamos esse espírito de solidariedade e de irmandade com o povo haitiano. Lidia Consa, eu vim com um espírito de solidariedade, porque eu me marquei brasileiro avec le peuple haïtien, il y a beaucoup de frères. Ça fait longtemps que j'ai eu une grande amitié. Et puis, on finit avec pour aider le peuple, parce que je considère nous comme frères. On a transporté les matériels médicaux et aussi notre force de travail avec le 32 pompiers spécialisés, sauf les matériels médicaux. Seulement médical, oui. Est-ce que Brésil Potea va faire une grosse différence? Ajuda que o Brasil está trazendo vai fazer uma grande diferença. Nós vamos utilizar a equipe de sauvetage e secours. Nós vamos usar a equipe de salvamento e de secours. Recostamento. E nós vamos utilizar tudo, aide material que vamos poder para o mundo. E nós vamos ajudar as ajudas materiais que estão trazendo para as pessoas. O Brasil sempre trabalha junto com o Haiti, né? Já está aqui há um tempo. É importante essa presença do Brasil aqui para os haitianos? Só pelo que o Brasil trabalha com o Haiti, acho que... Pode repetir? É importante a presença dos brasileiros aqui para os haitianos? Só pelo que o Brasil trabalha com o Haiti, acho que a presença do Brasil foi ali importante para o Haiti? Absolutamente. A presença do Brasil é capital para o Haiti. Absolutamente, a presença do Brasil é capital para os haitianos. Brasiliens, c'est peuple frère Haïti. Brasileiros é o povo e o mundo Haiti. Brasil está avec nous pendant le tremblement. Brasil é a minha faz amizade com o Haiti durante o terremoto de 2010. E Brasil é uma pequena missão médica da paz nas Nações Unidas. O Brasil é uma grande missão das Nações Unidas no Haiti. Então é normal que eu diga que o Brasil vinha e que nós acolhemos o Brasil com você. É normal hoje para receber o Brasil com muita alegria. Então nós dizemos, equipe que vinha lá, bem-vinda. Nós dizemos muito bem-vindo a essa equipe. Et nous dit merci à peuple brésilien et au gouvernement brésilien pour ça que vous faites pour nous. Et digamos muito obrigado ao Brasil e ao povo brasileiro pelo que estão fazendo para nós. Você está representando qual instituição para vir aqui? Represento a proteção brasileira e venho trazer a ajuda do povo brasileiro ao povo haitiano. Ele representa a proteção brasileira qui peut aider les Brésiliens pour le peuple haïtien. Il t'a demandé si vous savez de tout qui t'a trazendo l'avion. Nous trazemos médicaments et trazemos bombeiros et purificadores de água. Il peut des médicaments, il y a des pompiers avec purification d'eau. Quand tu comptes au temps pour que ça ajoute à ta vindo para o Haiti. Nós
prevemos ficar 21 dias aqui no Haiti, podendo se estender caso haja necessidade. Eu pretendo rester pendant 21 dias no Haiti, ça dépend de la situation. Ça va arriver, il y aura plus de pessoas, que estão chegando, as pessoas de resgate e salvamento. Estamos trazendo 31 bombeiros para apoiar nas atividades de salvamento e de ajuda humanitária. Il y a 33 monde pompiers qui viennent pour sauvetage et puis pour aide humanitaire. Elle est demandé si vous chafalez pour la protection civile, pour établir un plan, pour faire ce travail. A nossa ajuda vai ser em estreita coordenação com a Defesa Civil do Haiti. Vamos trabalhar de maneira coordenada. Travaillons extrêmement en coordination avec la protection civile. Nous allons travailler étroitement ensemble pour faire le travail. Dès quand vous recevrez les notices, il y a que vous parlez sur le Haïti. Quand nous recevons les notices, logo depois do acontecimento do terremoto, já nous preocupamos em trazer a ajuda para o Haiti. Tout de suite après le tremblement de terre, recevoir une nouvelle et puis ils ont tout pensé pour apporter aide en Haïti. We visited the maternity hospital in Manish. Nous visitons l'hôpital maternel. In Creole. Ouais, oh, I'm sorry. Nous visitons l'hôpital maternel dans Manish. And we saw that it was entirely destroyed. Nous avons vu qu'il était complètement détruit, il était complètement cassé. And it it serves as a maternity hospital for the entire region. Il sert en hôpital maternel pour toute zone. And now all of the women who have any troubles with their pregnancies. Et qu'on a toute madame qui a un problème avec accouchement. Would have to go all the way to Lake High, which is almost an hour. Oui, il est supposé pour aller au CAI qui est à peu près une heure ou deux heures de temps. And they won't make it. Et il n'est pas privé. It's very sad. It's right. Yeah, and so they have everything is gone. So they need supplies, they need to reconstruct, tout they need a generator. Il y a besoin de ressources, il y a besoin de matériel, il y a besoin d'alcool, il y a besoin de tout. It's horrible. But in the good news, dans la bonne nouvelle, c'est le bon côté. Samaritan's Purse. Samaritan's Purse has created a water purification site in Manish. Créons un système de purification de l'eau dans Manish. And they can fill an entire truck, a large truck, in an hour. Et ils vont remplir un gros camion dans une heure de temps. But the problem? Mais problème non? Is that the trucks don't know and they pass them by from the north. They pass them and go to Lake High. Problème non c'est que camion pas connaît, so ils passent yo sur route là, ils passent parce qu'ils pas connaît. They can stop. They don't have to go. They can stop in Manish and go back north and refill. You can return to Manish, remplir de l'eau, après retourner. Mais so you can help. You can help. You can get the word out and communicate that there is this water available. You, as the radio, tell people. And so K1, we were there. We saw it. I am telling you. We saw it. I tell you with my own eyes, the water is there. Please go. L'eau là, s'il te plaît, allez, s'il te plaît. How many boxes? Hello, hello. Laura, my daughter. Yes. Oh, okay. Good. Yes. How many boxes are you gonna drop there? We are not dropping these boxes. The military is dropping them. It's our responsibility to help load and unload. C'est pas nous qui pouvons déposer boîtier. C'est militaire là. In order to make sure that they have the capacity. N'a travaillé avec eux, n'a aidé eux, n'a supporté eux, puis qu'une capacité pour mettre dans l'hélicoptère. Yeah. So we are partnering here at the airport today and yeah, for the past few days. N'a travaillé, n'a aidé dans l'aéroport, jeudi et dernier quelques jours. When did K1 first come here? A few days after last week. When we got here, we were just trying to connect with other NGOs because there's a lot of NGOs here that are helping with the relief efforts. They were saying we need to go to a few NGOs because there are a few NGOs, so you have connected with you, you can connect what you need. Yeah, so we're just boots on the ground and we're just trying to link up, see where the need is. So you and in accordance with that, we make ourselves available. So you think I'm parler piate. Après, vous connectez avec Mounio et vous voyez pour vos besoins pour vous aller. Vous faites être accessible. So what is the satisfaction by doing that? We are an island that gets hit by hurricanes as well. So we know the devastation that goes when
you have an earthquake or you have a hurricane. So we created a team to assist in our region because we know how it feels. We have people specialized. So when there's a disaster, we want to jump in and get our hands dirty. So you saw il qui connu frappé à un pile de cyclone. So you connu expérience, you connu ça qui besoin, you connu ça qui va arriver. C'est pour ça que une équipe ça qui a une capacité, qui a une connaissance qui fait que capable venir là. So how did you get the military in? How did you get? We didn't get it. Okay. The military is already here, so that's coordinated through World Food Program and other NGOs. So they do that on a different level. So we are just here. Anything that comes here, we help them to load so that they can drop them off wherever it's needed. So this, we don't have much to do with the military assets, but we are just involved in getting this, that vehicle, so that it can go out. So c'est pas you qui est à connecter avec militaire là est tout ce qui est capacité, mais le corps l'autre niveau. Mais le même à capacité de l'autre niveau, et puis on voit tout et on met le hélicoptère. Donc symposium ça c'est 11e symposium dans le cadre ça a commencé depuis en 2011. Donc symposium ça yo que c'est ça c'est centre de spiritualité et de santé mentale. Et bien depuis 2011 nous commençons ensemble d'activités d'éducation, de formation pour eh bien leader yo, pour différents jeunes yo, pour tout le monde qui est cap travailler avec monde pour bayo justement de outils en santé mentale pour faire travailler à correct. Donc c'est ça justement intégrer santé mentale et spiritualité. Et chaque année dans symposium yo gagne un thème. Quoi année ça, eh bien thème nan c'est humilité, santé mentale à l'ère du stress et du traumatisme à répétition en Haïti. Donc c'est pour ça qu'il inscrit justement un dans le cadre actif de chaque année que c'est ça offrit. Et deuxièmement, il inscrit tout dans le cadre eh bien, de jubilé de 150 ans depuis mon fauteuil présent en Haïti. Donc en Haïti, mon fauteuil est en France. Premier côté yo débarqué, eh bien c'est en Haïti et ça fait 150 ans. Yo t'est arrivé le 30 août 1871. Donc 30 août 2021 a fait 150 ans depuis Père Monforte a travaillé en Haïti. Et nous commencé travail dans diocèse Port de Paix, c'est là toi premier Monforte a été arrivé dans diocèse Port de Paix sous la demande de Monseigneur Guillou. Donc dans ce sens année ça bien célébrer 150 ans présence Montfortin en Haïti. Alors, j'aimerais dire à symposium ça inscrit dans deux niveaux, dans niveau activité normale, ce que c'est ça fait chaque année, et dans le cadre 150 ans. Et forme du tout, justement, Anessa, il est vraiment très, très, très spécial symposium. Non? Parce qu'en général, nous réunis 400 mounes, que ce soit jeunes, religieux, religieuses, psychologues, pour cet événement. Mais Anessa, dans le cadre restrictions sanitaires, nous choisissons seulement 110 mounes qui sont présents dans ce site-là, avec plusieurs autres mounes qui suivent l'événement sous Zoom, sous YouTube, sous Facebook, parce que nous voulons mettre trois mounes ensemble pour nous justement bloquer la propagation coronavirus. C'est pour ça que c'est seulement 100 mounes, mais en général, c'est plus que 400 mounes qui dans ce symposium ça chaque année. Bon alors c'est la première fois tout que je participe dans ce symposium là. Même qu'on réalité hein, avec César, bon, puisque Père Wismic. Donc c'est recevoir aller dans un séminaire. Je fais des provinciales, je fais un long cheminement avec lui. Je crois que c'est vraiment une très belle initiative. Hein. Le fait que qu'il y a un espace de débat. C'est ça qui manquait, je dis en Haïti, face à toute crise que nous avons traversée. Moi, je sentais que manquait un espace de débat. Et ce symposium, non, c'est ça lié. Et choisir un thème difficile, peut-être pour mon capitaine, j'en te dis, hein, qui sa mot humilité, hein. Mais là, il est dans le fin fond, moi, nous voyons que les pas, on faut débat, nous avons besoin de ça.
Et si un pile nan dirigeant yo, un pile nan ta capable di responsable opinion yo te ka gen assez d'humilité. Humilité pour reconnaître que trompé, humilité que reconnaître que faire un faux pas, humilité que reconnaître yo pas bien accompagné peuple lan yo t'a diffusé des fake news qui empêchaient que moun yo fait des choix importants. Donc on a dans ce sens que c'est posément important. Et il est venu dans un bon moment. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le 30 août, c'était le 30 août 1871, c'est le Samon Fortin, qui est arrivé en Haïti. Donc, il y a pas rien. 30 août, Cap Vignan, 150 l'année de présence sur la terre haïtienne. Alors, moi, qui parle, c'est heureuse coïncidence, c'est que moi, j'ai 50 ans depuis que je suis entré dans la communauté. Hein. C'était un 25 septembre. Et 1971. Donc alors c'est vraiment une belle coïncidence, 150 ans de présence Montfortin en Haïti, moi personnellement 50 ans d'engagement dans la vie religieuse Montfortin. Donc que c'est un acte de grâce, parce que tout événement important, tout événement, j'ai redit dans l'engagé, il n'a dit et pédant, c'est un kairos, a dit que c'est une action de grâce à bon Dieu qui dit non dans l'événement ça. Pas seulement pour garder derrière, pas seulement pour garder devant, mais je dis, hein, 150 ans, qui s'accueille pour nous. Je crois que son grand moment, et grâce à Dieu, dans ce moment ça, quand il est jeune, qui est en formation, et nous arrivons à ça que Pionnier a été fait, de sortir en France, puis capable de venir en Haïti. Et je dis, hein, que Montfortin, qui a travaillé au Pérou, en Colombie, capteur au Mexique, capteur aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en France. Donc vraiment, son diversité et mission, ça en est l'émission ad extra, donc permettre que Montfortin, ça que Pionnier était porté pour nous, et bien, des jeunes Haïtiens, et bien, y aller porter et ça vivre. Première précision, je suis médecin, psychologue de formation. Donc médecin et nous différents dans orientation nous bah, donc si m'étais psychiatre m'étais médecin mais moi-même moi c'est psychologue moi travaille en collaboration avec psychiatre avec travailleur social avec ergothérapeute donc approche nous sont approche qui est pluridisciplinaire donc le n'a pas parlé de spiritualité et en termes d'approche moi-même approche que me privilégier et que m'essayer promouvoir pardon, au niveau du ministère, c'est une approche que nous relais, une approche bio, éco, psycho, socio, spirituelle. Ça veut dire que les noirs fait une thérapie approche nous tenons compte de l'aspect physique maintenant, parce qu'il y a des problèmes physiques qui sont manifestés, qui sont capables de bon, qui est capable d'orienter vers un problème mental que nous avons gagné. Dans l'environnement, pour ne pas parler d'écologie, l'environnement a un impact sur la santé et tout le monde. Il y a un aspect psychologique là, et aspect spirituel, sociologique et aspect spirituel là. Donc pendant longtemps, il y a des gens réticents pour considérer la spiritualité et dans le comportement du monde. Mais nous finissons par voir que tout le monde, même leur dit que vous croyant, même leur pas admettre que vous croyant, tout le monde a un point côté rattaché à un bagage que le pas qu'à expliquer et qui est plus grand que lui. Et souvent, que pour aider un monde qui a un trouble mental, vous obligé de chercher point d'ancrage au niveau spirituel. Et ça, nous découvrons au niveau de psychologie. Scientifiquement, l'admettre que l'aspect ça, leur pas prendre en considération ou qu'à passer à côté. Oui, moi, sympathie à tout le monde qui touché par la catastrophe naturelle dernier moment. Ça. Comme nous connaissons déjà, mission PNCS, c'est bâtir le monde manger dans l'école. C'est une mission que je prends à cœur moi-même avec toute l'équipe moi, depuis que je prends poste là et en février 2021. Pendant presque 6 mois, moi j'ai dans tête PNCS, nous arrivons à toucher 7 départements sur 10. Nous avons 94 891 personnes manger dans l'école. Nous touchons 307 l'école.
Département ça a nous touché, c'est Antibonite, Sainte, Grand'Anse, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest et l'Ouest. En plus, l'école nous touche, c'est l'école qui n'a pas de manger depuis l'année 2017 et puis l'école qui est dans une zone reculée avec accès difficile. Quelques exemples, d'un coup, Zilekaïmit dans Jérémy et puis Cité Soleil. Nous arrivons à réaliser le travail ça grâce à l'aide dynamiste, équipe, avec bonne volonté. Nous mettons tout ça en branle pour être capable de réaliser la mission PNCS comme ça doit. Dans l'idée pour nous encourager le travail, ça veut dire d'avoir employé, redynamiser le travail, moi-même en tant que coordonnatrice générale, moi j'ai mis plusieurs démarches et pour capable permettre ça arriver. Première démarche, nous faisons écrit manuel employé qui définit le travail, comment il doit faire l'institution. Deuxième démarche, c'est nomination. Nous travaillons sur lui déjà. Tout ça qui est bon côté PAM déjà fait déjà, maintenant, autorité compétente qui était pour finaliser nomination pour employer parce que il y en a qui gagne 20 ans et qui gagne 15 ans dans l'institution qui sous contrat pour que jamais et tout le monde a travaillé sous contrat pour dérégulariser ça. Premier bagaille, un objectif nous c'est arriver par 50% de monde manger dans l'école, ça veut dire plus passer 1 million de monde. Deuxième bagaille, nous veut améliorer façon de monde manger et puis façon manger à lui-même la distribuer dans l'école. Faire formation sur l'hygiène en milieu scolaire pour directeur l'école avec professeur l'école, évaluer besoin de cantine et au niveau de l'école, sensibiliser sur l'hygiène avec nutrition. Et puis réaliser une cartographie sur toute l'école qui a besoin de cantine en d'un pays. Réaliser deux campagnes de déparasitage, ça veut dire campagne qu'on fait, qu'on fait. Une dans le commencement année, une dans le finissement année. C'est toute activité ça yo, que nous gagnons, que nous avons réalisé pour l'année qui passait et pour nouvelle année avec toute perspective ça yo, que nous gagnons et nous mettons tout et ça nous gagne toute équipe là mettons tout ça au gain en branle prend toute disposition pour permettre que activité ça yo, yo même yo capable de réaliser pour permettre un bon déroulement année scolaire 2021-2022. Normalement, nous t'as supposé bay produit local net aller. Mais ça qui arrive, nous connaît gagner et procédure yo pour arriver faire acquisition produit ça yo. Li pas facile parce que en termes d'organisation sur le terrain. Donc c'est ça qui fait nous bay produit local mais quantité que nous joignons là, li pas suffisant pour nous capable arriver couvrir toute l'école, c'est pour ça nous utiliser l'autre produit tout. Mais objectif là au niveau PNCS, on travaille nous c'est river bay timon yo manger, manger local seulement. Nous nan route, nous connaît la privé quand même. Moyen nous limité, nous toujours prioriser l'école publique yo et surtout l'école qui dans zone qui pi vulnérable yo. Donc nous bay l'école privée manger tout, mais c'est par priorité en termes de besoin, vulnérabilité et puis est-ce que l'école là sur l'école publique. Nous garder besoin d'abord comment lier, comment zone, comment besoin de tout le monde. C'est pour zone qui touche aux activités que nous-mêmes avec le gouvernement a fait pour arriver à toucher les zones. Mais en ce qui a fait avec l'école, côté l'école a ouvert normalement, toute disposition déjà prend. Et pour zone déjà qui touche aux équipes déjà souterrain qui a évalué l'école qui touche yo, qui problème yo, est-ce que cuisine yo crasé, est-ce que yo capable de recevoir cantine et puis pour nous arriver prendre disposition parce que fun fin gen un problème yo, nous évaluer besoin yo et ensuite pour nous prendre disposition nécessaire. Mais équipe toute équipe PNCS a travaille sur dossier ça. Moi gen rapport directement avec supérieur hiérarchique moi qui c'est ministre éducation nationale là, il faut que j'aime nous faut que j'aime et gagne en conversation sur ça. Et même j'en wèl et lettre sur réseaux sociaux, moi wèl sur réseaux sociaux et tout. Donc m'ai pas capable avancer trop sur dossier ça parce que moi pas trop comprendre trop bien. Donc et j'en wèl là c'est comme ça moi wèl tout. Normalement pas recevoir rien de ministre là. Ministre éducation nationale là n'ont pas gagné et trop conversation sur dossier ça, son dossier qui a fait sur réseaux sociaux. Donc moi m'a suivi évolution même j'ai avec. Normalement moi même t'a installé. C'était le ministre de l'Éducation nationale qui était venu installer directement. Et l'être moins, il était remettre moins l'elfine Lille
au grand public, devant tous les médias, c'est là que moi été en contact avec les gens. Donc moi pas connait si mon l'autre gens fait bail qu'on y a comme si les là sur réseaux sociaux avant arriver dans mes monde ça me pas dit non rien peut-être tout bail qui a changé mais moi même l'aime taper installer m'a dit comment ça t'est fait moi vini accompagné de ministre moi l'accompagné il vini avec moi c'est là il fin li lettre au grand public il fin li là avec média là ça fait photo avec moi et puis il remet moi lettre moi au contraire lettre là c'est là caill moi mal l'île là soit parce que c'est devant médias me recevoir lettre moi. Donc, je ne sais pas comment si mon évolution dans le pays, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Question délocalisation par la justice, ça a toujours été une préoccupation pour le barreau de Port-au-Prince. Et je songeais personnellement, dans le cas d'une rencontre avec Bâtonnier d'Orval, de son vivant, il était à mener toute une plaidoirie pour que il soit délocalisé par la justice, parce que tout bonnement, l'autorité n'a pas qu'à la sécurité. Et nous, ouais, quand c'était monde qui est victime, et je dis, hein, depuis quelque temps, vous constatez que le palais de justice très peu fréquenté. Très peu fréquenté. Alors, on dit que le palais de justice logé à la fois le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, la cour d'appel de Port-au-Prince, le parquet près la cour d'appel de Port-au-Prince, les logés tout le barreau de Port-au-Prince. Donc, alors, on dit que déplacer palais de justice, en principe, c'est surtout job CSPJ. Cependant, budget de fonctionnement, si budget de fonctionnement, la justice, c'est CSPJ qui gère elle, mais budget d'investissement, c'est ministère de la justice qui gère elle. Ça veut dire, décision ministère de la justice, là, il s'agit d'une décision tardive, mais pour le moins, une décision réaliste. Parce que, alors, il y a quelqu'un qui a dit que ça a consacré la faillite de l'État, puisque l'État obligé battre bas, obligé faire bac devant bandit, mais son réalité, et nous autres avocats, chaque fois nous venons là, c'est pratiquement avec cœur serré. Donc, décision pour délocaliser le palais de justice là, qui abritait toute institution de justice que nous sommes énumérés là-haut. C'est quand même une bonne décision, même s'il mettait en exergue l'incapacité de l'État d'assurer la sécurité des citoyens. C'est une très bonne décision de la part du ministre. Ça fait longtemps que Bao a goumé pour ça. Ça fait longtemps que l'association magistrale a goumé pour ça. Ça fait longtemps que tout le monde, la justice, ce n'est pas l'affaire des magistrats, ni l'affaire du ministre, ni l'affaire des avocats. La justice, c'est une responsabilité à partager. Pour pas qu'à venir là, dans le local ça, son local qui est inaccessible. Ou pas gagner un café là, dans le contexte ça, surtout, avec une série de gros dossiers qui est pour venir là, et puis pour quitter là. Donc, décision ça, lui, arrive tard, mais ce n'est pas trop tard, donc c'est une décision louable. Donc, maintenant, c'est qui va le relocaliser, ça c'est sur l'autre question. Mais pour le moment, nous apprécier la décision ministre, nous applaudis dès demain la décision du ministre. La justice, son bagage qui demande sérénité. La justice, c'est un coup de mort, elle n'est pas une personne. Donc, quel que soit mon nom, à un moment ou à un autre, pour répondre des questions de la justice. Donc, quel que soit mon qui au timon des affaires, quel que soit mon qui autorité, il faut faire en sorte que la justice fonctionne normalement. Il faut faire en sorte que la machine judiciaire soit en marche, parce qu'un jour ou l'autre, elle aura besoin du secours de la justice. La justice doit être accessible à tous. Okay? Et donc, nous avons Bâtonnier d'Orval, depuis avant monsieur était assassiné, tu as goumé pour délocaliser le tribunal là. Mais en clair, et nous qui avons une responsabilité pour autoriser la délocalisation du tribunal là, donc il n'y a pas d'accord. Mais avec espoir que la situation a amélioré. Et de jour en jour, la situation s'est dégradée. Donc ça fait que la décision qui vient aujourd'hui, hein, bon, ce n'est pas trop tard. Mais quand même, souci gagné, c'est prochain adresse, c'est qui côté la pied. Parce que compte tenu que le parquet a un droit situé à un endroit qui est différent de le tribunal là. Mais compte tenu de structure tribunal là lui-même, il faut gagner plusieurs chambres, il faut gagner toute
greffe, il faut gagner toute une série de possibilités pour accueillir les gens. Mon diri, mon naï collé, me faire légumes, faire sauce quoi. Nous prenons place 150 gouttes ou la fini, bah y'a venu tirer en chair. Nous devons venir 200 gouttes diri collé. Seul diri collé a moins 200 gouttes parce que diri collé a acheté ma mitla $140 pour ton fils. Pour sauce quoi, $30. Bon, ma vie on est 20 ans depuis ma fête. Je sens que ça me joue parce que on sait qu'on y a là et pas à faire gain. C'est pas à faire. Nous devons acheter ça diri à $50. Nous devons manger à $3. Pour nous, là, ça dirait à passer à $430. 9 mamites, là, $430. Nous devons acheter 18 mamites diri pour 250 gouttes. Pour nous, là, c'est 8 mamites nous joignent pour 450 gouttes. Je fais diri collé, diri blanc, et puis je fais maïs blanc. Je ne peux pas manger. $35, que des fois tout le monde est descend pour tout. Ça dépend des gens qui vont demander pour $30 en Bali. Parce que vous connaissez rien comme dans le pays, elle est finie tout, bah vous cher. Vous dernier 10 minutes, $30. Vous avez 200 gouttes, 250 gouttes. Je vais manger depuis en 2004. Vous avez des gens qui sont satisfaits parce que vous avez des crédits, vous avez des crédits, vous avez des crédits, vous avez des crédits. Et puis je quitte dans des matins, nous chauffer, nous manger à Timonio. Oui, parce que là, je paye l'école Timon, je paye Kaïmoué, je paye Sol, tout le bail. Et puis je paye bagaille là-dedans. Moi, je vends du collé, du sauce, maïs, ça me l'enlève. Bon, même pour y avoir 200 gouttes, nous venons. 200 gouttes. Oui, tout là, 200 gouttes dans la boîte. Quitte mon amant, il y a assez là, 200 gouttes. Vous jouez, mais vous avez la possibilité de faire un peu. Mais quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu. D'accord. Bon, depuis 2000 ans, à nos jours. Bon, au nom de Jésus, nous distrayons quand même. Je ne suis pas capable. Je fais manger, je mal dans ma chine. Moi, madame. Moi-même, manger, je vais me vendre chez là. Je vais dire à ce soir, mais je dis à me battre là, je vais faire dire à ce soir. Une bonne poule, une bonne tasse. Bonne codène, bonne poisson parfois. Dire blanc, bonne 200 gouttes. Dire collé, bonne $50. Après ça, en montant, ça dépend des viandes que je prends. Oh, j'ai un peu de temps. Je n'ai pas de 15 ans. Depuis ma fête. Depuis que ma fête, ça a accusé que je donne des ventes. $7. Je fais longtemps. J'ai 4 petites papa et moi. C'est avec elle que je fais toutes les bagailles. Je paye l'école pour faire toutes les bagailles. Bah, je mange quand même, mais je ne suis pas satisfait vraiment. Parce que c'est pas la vente qu'on y a. Oui, on peut lui demander. Parfois, je paye, mais pas tout le temps. Parce que c'est dur à cher. Pour ma mère, c'est avant $150. Depuis que je suis là, il est bon dur. À part de ça, je vais vendre 1000 gouttes. Ma mère, pour ma mère, elle vend $120. Si on va acheter la ville, elle vend $100. Ça veut dire, bagay yo vin chè, ou achè kes pou la, ou presque achè $700. Vyann kabrit la, soit chon bout kabrit pou $500. Ou pa kabay manje pou sa la dan. Et pou la m'van 200 goud a dir blanc. Après ça, 10 collé a pa ka van 200 goud, 250 goud pipiti. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour te kap tande. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.